Que s'est-il passé exactement à l'étage supérieur de cet établissement hier soir? Personne ne le sait exactement. Une enquête de la gendarmerie est en cours et des scellés ont été posés dès ce matin à l'accès principal menant aux étages. Ce matin, la brigade criminelle était sur les lieux et une autopsie du corps sera réalisée. En attendant sur place, nous avons rencontré la responsable de l'établissement qui logeait, outre sa famille, 9 personnes en situation de handicap mental. Certains auraient été placés ici par l'association Tutelle Gère, d'autres seraient sous la responsabilité de la Cotorep. Les premiers ont été récupérés par des membres de l'association et seront logés dans des familles d'accueil dès ce soir. Pour les autres, c'est toujours la famille sinistrée qui les prend en charge en attendant une décision, une aide des services sociaux. Est-ce que l'établissement était aux normes? C'est l'autre question. L'enquête, évidemment, le déterminera. Selon les dires de la gestionnaire, les travaux d'aménagement des chambres des malades auraient été faits à la demande des établissements et des organismes de tutelle. Aujourd'hui, ce sont une dizaine de personnes qui ont tout perdu. Tout don de linge pour des adultes et aussi des enfants de 3 à 13 ans serait largement apprécié. Quant à la victime, selon certains témoignages, il se pourrait qu'il s'agisse d'un pensionnaire en situation de handicap. L'enquête le déterminera officiellement.